Je règle mes comptes vite fait avec quelqu'un ici. Putain de merde. Est-ce que ça charge même le téléphone? Ah. J'espère que le chargeur n'est pas derrière. Dans la prison. En fait, il faut aller. Si tu engages un gros boulot comme ça, arrêtez dans les mains. Il peut même pas. Dis à l'heure, si tu engages un gros boulot comme ça, là, tu peux même pas. Ah, il n'y a même pas cette connexion ici, ça m'aide. Tu peux libérer la maison un peu. Parce que l'on peut libérer quand il tient à son arrière. Ah, c'est le truc que je peux mettre là. Ce que je peux. J'espère. La batterie n'est pas. T'as une grosse prise là ou pas? Putain. Ici, chez toi, si t'as pas de wifi, t'es mort. Hein. Non, j'ai dit avec la connexion même du téléphone, ça me sort les 3G là. Putain. Ça donne pas. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Oh là 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 là. Adama, c'est quoi ce truc? Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Ta meilleure amie, ta meilleure amie, Adama. Adama, l'enfant de quelqu'un. Bien le bonjour à tous mes abonnés, à tous mes léopards. À la tigresse. J'ai un peu mal à la tête. Hein. Je peux peut-être prendre... Josiane Ondoa. Toi qui m'insultes là, quand il avait pleuvoir sur toi là, avec tes joues comme Sangoku. Et il y a un djanga, avec tes joues comme Sangoku. Maman a 14 ventes, Josiane Ondoa. Élise Bissap. Élise Bissap. Les petits tribalistes là, vous traitez. Aïe, aïe. Et même quand tout le monde... Elie Bissot, toi là. Là où les Camerounaises parlent, tu parles aussi. Tu es une Camerounaise. Moi, un peu du Doliprane. Et Elie Bissap. Toi là, Sapak là. Ah, les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke. Oh là là là. Est-ce que tu m'entends? Et même quand tout le monde est contre toi, il reste ta meilleure amie. Élise Bangala. Toi, Élise, là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mets mes chaussures. Toi, Élise, là. Faut pas que tu vas me chercher. Faut pas que tu vas me cesser, tu vas me trouver. Aïe, aïe. Toi, Élise, là. Faut pas que tu vas me cesser, tu vas me trouver. Ah, du cas. Toi, Élise, là. Ah, t'as l'air. Ouais,
est-ce que j'ai la connexion? Est-ce que vous m'entendez? Do you understand me? Élise, la moche. Vendre le poisson fumé t'a dépassé. Maintenant, tu es dans le tribalisme. Avec ta sale gueule. Pourriture, va. Josiane Ondoa. Ton vieux Wadna, il a quel âge? Josiane Ondoa. Ondoa, bordel. La borderie t'a dépassé. Hein. On vous dit d'arrêter le tribalisme, vous venez insulter les gens. Bamileke, oye! Bamileke, oye! Qu'il soutient les Bamileke parce qu'il me donne l'argent. Avec ton ventre. Il n'a pas trop la connexion ici. Je suis chez un ami. La connexion dérange. Élise Battante, Josiane Ondoa, il arrive sur vous. Il veut vous atomiser. Des minables tribalistes comme ça là. Vous allez finir de pile. Les Ignace les Bamileke, fatigués. Maintenant, vous venez les détester. Hein? Avec vos entreprises qui ont l'autoroute. Vous avez fini de gnasser les Bamileke. L'autre là, on doit. Le Bamileke l'a fait venir en Europe. Maintenant, l'insulte est Bamileke. Le Bamileke n'empêche personne de progresser au Cameroun. Tu comprends? Les ducs et les duchesses. C'est pas mal ça, Anita. Les ducs et les duchesses. C'est pas mal. Je vais y réfléchir. Aïe, aïe, aïe. Donc, Josiane Ondoa, il voulait juste faire cette intro. Te dire qu'il va être sur toi. Prépare-toi. Ce qui va arriver sur toi, là. Tes frères, là, ne vont pas te sauver. Josiane Ondoa. Élise Banzizi. Quand elle m'assoit chez moi, là, au palais, là, avec vous les civils. Deux petites bordels comme ça, là. Ah ouais, les ducs et les duchesses. Ouais, c'est cool ça. Ah, Anita, j'ai fait la capture. C'est toi qui m'as donné cette appellation. Voilà. Merci, merci. Ouais, les léopards, c'est un peu congolais. Merci. J'ai fait la capture. Que c'est nice, Anita, qui m'a donné ça. Donc voilà, voilà des filles qui sont sur Internet, qui sont les mères d'enfants. Les vieilles coyotes. Que dans tous les carrières de ma boyatisme. Tu ne vois pas le nombre de gars qui les ont niassés. Elles viennent sur Internet à 49 ans. À l'âge de la pierre taillée, elles viennent commencer à dire que, oh, à venir prôner le tribalisme, soi-disant, les Bamileke ont fait que, Bamileke ont fait que. Tu arrives au Cameroun avec ton argent, tu peux acheter où tu veux. Donc, je les ai vus m'insulter un peu là. Mais je vais dans mes états de tranquillité, tranquillement, tranquille. Je vais m'occuper de ça. Voilà. Mon frère, le combat de Baba, elle ne m'intéresse pas, ma chérie. Est-ce qu'on regarde tout sur Facebook? Ah, de comme à Mugoloku, le temps que les gars là te préparaient pour ton église, là, c'est des tailles. Hein? Le coup d'état que la femme veut te faire pour ton église, là. Le coup d'état que la femme, le Debso, là, veut te faire. Mais voilà, tu insultes Flo tous les jours, elle est venue devant toi, tu même parler, t'as dépassé, un morveux. Il dit que, waouh, des comme, tu as vu? On me dit que le Congo, ça, c'est la mafia. Tu as vu ce qu'il t'a fait? Il est en train de faire tomber ton église là, donc vraiment, fais rapidement un recrutement. Et comme Flo est encore intervenu là-bas, c'est grave. Big up à Dola le Pichichi. Une fois de plus, joyeux anniversaire. Dola le Pichichi. Tu vois les coups d'état de comment mon goût. Donc tu étais avec les gens comme ça, tu as vu ce qu'ils t'ont fait. Ah. On dit que Facebook, c'est toi et ta caméra. On dit que Facebook, c'est toi et ta caméra. Il n'y a que des traîtres partout. Et c'est, mais baisse encore le volume de la télé, s'il te plaît. Merci. On dit que la. Pourquoi ça parle fort? Pourquoi baisse tout? Tu regardes? Complètement. Merci, mon fils.
On vous dit que la toile, si c'est toi et ta caméra. Maintenant, la personne qui va être blogueur, elle prend sa caméra et l'allume. Donc, il n'y a que le judaïsme qui est en train de marcher maintenant sur la toile. Les Judas. Il n'y a que Judas sur la toile. Adama, il n'y a que Judas, na Judas sur la toile. Voilà. Dekom Amougo qui est en train de vivre un coup d'état. Un coup d'état. Eh, Dekom, voilà ton église que les gars sont. Tous tes gars sont en train de te monter au cou. Est-ce qu'ils vont aller avoir ton humour? Non. Hein? Même mes duchesses sont avec la femme. La toile, si elle a zéro confiance à quelqu'un. Les gens qui viennent dire que la femme, je le déteste maintenant. Les gens qui viennent dire que je déteste sa femme, elles sont dans son direct. Je vous donne les mains. Adama, on peut être bipolaire comme ça. Elle, mes ducs et mes duchesses. Comme dit Anita. Ça, c'est même bien ça. Merci, Anita. On peut être comme ça. C'est Waman qui connaît les réseaux sociaux. Waman ne prend personne dans son direct. Il fait son live, vous êtes là. Il frampote, il est seul. Quoi? Dekom Amougo, vraiment. Mon frère, tu vois le coup d'état que les gars là t'ont préparé. Mon frère. Étant donné que toi et moi, il y a la mystique. Il n'y a pas le framponnement pour l'instant. Franchement, tu as vu? Le gars là, donc, il était avec toi comme ça, c'est ta place qu'il calculait. Facebook, les Tatiana Mimba, toute la bande là, ils sont là-bas, soit disant qu'ils sont en guerre avec Dangelo Blake. Mon frère, il n'y a pas d'excuse. L'affaire de Dangelo Blake est au tribunal. Ça va se passer là-bas. Ce n'est plus à notre niveau. Ça va se passer au tribunal. Donc, ne venez pas. Les Camerounais. Mon frère Dekom, fais ton truc seul, une place. Tu as vu, Dekom, c'est qui? Tu as vu comment le gars là, il te prépare un coup d'état? Un coup d'état. Waouh, mon frère. Regarde la bande là. Regarde la bande des gars qui sont ses alliés. Orisha, Stan Brakata, la panthée du zoo. Natatiana Mimban, regarde les gars qui sont partis s'allier avec la femme. Les filles qui le détestaient, il faut avoir peur d'un gars. J'ai un gars là, même, il est ni encore. Moi, il voit les filles encore dans mes lives, je les bloque. Il est comme moi, il voit encore les gars là. Les gars là, elles vont aller rester dans les trucs du gars là. Il a insulté Flo. Flo est venu dans le direct parler. Il n'a pas eu la bouche pour parler. Un boudman, mon frère. Il faut faire comme le Waman. Le Waman, quand le Waman allume sa caméra, il parle une place. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Tu as donc des comme Amougo, tu as du potentiel. Même comme demain, tu vas m'insulter, mais il te dit ça. Tu as amusé les gens. Le aide-moi à détester. Le aide-moi à détester. Que les gens là sont partis. Tu vois les quatre gars qui étaient dans mes lives, elles sont assises là-bas. Tatiana, il te dit que toi là, tu es la future sorcière de la toile. Heureusement que toi là. Aïe aïe aïe. Ouais. La toile si montre le comportement des gens. Moi je kiffe la toile. J'aime trop la toile si. Ça montre la sorcellerie déjà. Il ne ment pas. De comme tu as ton humour. Tu comprends, tu as ton humour, tu as ton église. Ils ne vont jamais voler ton église. Moi, ils te soutiennent. Roha. Ils soutiennent Dekom. Ils soutiennent Dangelo Blake. Bango, bango. Ils soutiennent mon ami Dangelo Blake. Il n'a rien fait du tout. Et maintenant, tous les petits bordels qui voulaient sortir avec lui avant, là, elles vont aller faire la bordellerie chez la femme là-bas. Voilà. Toutes les petits bordels à deux balles là, il faut aller faire. Les bambas là-bas chez la femme. Mais Tatiana, la femme, c'est plus ton ennemi. La femme, c'est plus ton ennemi. Wow. Ça, c'est la puterie, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie bordénerie, ça. L'autre là, ça, c'est ce qu'on appelle les bambas vrais. Vraiment dédiés. Ça, c'est ce qu'on appelle la puterie, ça. Ça dépasse même donner les fesses. L'autre ici là, ça dépasse donner les fesses. Quand tu as passé le temps à combattre un gars ici, que oh, le gars là, tu l'insultais le gars là.
Aujourd'hui, c'est toi qui es modératrice dans ces lives. Wow, wow, wow. Wow, wow. Non. J'aime trop la toile. La toile montre le comportement des Camerounais. Il faut se méfier des vipères. Oui, il faut se méfier des vipères. Il faut capter très rapidement les vipères. À supposer que Dangereux Black était même coupable. Le problème de Déco Mamougoué est au-dedans. Le problème de Déco Mamougoué est au-dedans. Pourquoi partir l'insulter? Waouh, mon frère! Mon frère, lance l'appel. Lance l'appel dans le direct si tu viens, on parle. Le coup d'état. Tu as vu Alain Guilou? Tu as vu? Tu as vu Guilouette? Le Debso là? Tu as vu? Aïe, aïe, aïe. On ne rigole pas avec n'importe qui, mon frère. On ne montre pas les dents avec n'importe qui. On montre les dents avec les gens qui méritent qu'on montre les dents. Oh, Edmond Patrick. Edmond Patrick. Donc, voilà ta justification. Hein. Que dès qu'on t'insulte tous les jours, tu le soutiens, non? Ah, c'est pourquoi toi, tu allais soutenir la femme, hein? N'importe quoi. Il dit que vous êtes, vous là. Je vais vous arroser. Parce que vos petites positions de merde, là, vous la bande d'ingala, vous allez aller vous masturber là-bas, là. Enfin, à côté. Il y a même le Mouna à côté. Voilà. Parce que votre soutien est machiavélique. Votre petit soutien, là, c'est un soutien machiavélique. Ce n'est pas le truc que je fais peut-être avec des comme avec Sylvie Teyes, différent. Nous, on est dans le game. Vous n'êtes pas dans le game. Ouais, big up, ouais, dit quand même. Il t'appelle mon frère aujourd'hui, Roa. T'inquiète pas, c'est pour ça que j'avais sorti dans la sur la plate. Tu as mis la bande de sorcières, non? Il ne peut pas. Écoute-moi très bien, écoute-moi. Du Camer, j'ai fait déjà un big up à... parce que moi, j'avais programmé ton direct. J'avais programmé mon direct, tu comprends? Voilà. Je suis obligé parce que je ne parle pas avec des loups brillantes dans ma gueule. Tu comprends? Je m'en fiche d'Alan Guillou. Quand Alan Guillou me fait un big up à ça, je réponds depuis, tu comprends? Voilà. Je m'en fiche. Non. Je connais le problème d'Alan Guillou. Alan Guillou n'a pas un problème particulier avec moi. Tu comprends? Voilà. C'est le fait que, oui, lorsque j'ai publié les trucs, j'ai parlé de Jipo et de Ningono, que, bon, voilà, c'est un manipulateur. Tu comprends? Si la paix des hommes noirs, c'est là où, tu comprends? Alan Guillou, tu comprends? Alan Guillou n'a rien contre moi. Tu comprends? Je continue à dire, jusqu'à preuve de contraire, je suis innocent. Et je ne connaissais pas cette histoire. Est-ce que tu comprends? Sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes enfants, posez la question. Ouais. C'est justement, regarde, dis quand même, j'invite le pasteur Tondé, tu comprends? Voilà. Parce que les gens peuvent peut-être croire que oui, c'est aujourd'hui par rapport à cette histoire-là que le pasteur, on s'appelle. La femme lui-même, il n'est pas au courant. Tu comprends? Même comme le pasteur, la dernière fois, s'était trompé, parce que dans mon direct, j'avais dit, ici, ce n'est pas une église comme voilà, les églises des frères pasteurs. C'est pour ça que quand le pasteur Tondé vient ici, tu comprends? Voilà. Je parle de dire aux gens que lui, c'est un vrai pasteur. Voilà. C'est un vrai pasteur. Non. Non, du Camer. Lui-même là, son vrai. Il est un vrai pasteur. Mais bon. Restons dans le cas. Non, du Camer. Il aime le Congo, ça, mon du frère. Camer. Je l'ai dit que tu es pasteur. Quand analyse, tu comprends. Mais moi, il n'est pas mon genre de pasteur. Ouais. Lui, il est considéré comme un vrai pasteur. Tu comprends? C'est parce que les gens, du Camer, tu sais très bien, il y avait la bulle des blogueurs. N'est-ce pas? Et est-ce que je n'intervenais pas lorsqu'il y avait peut-être parfois Ahmed Kamel voulait venir te rebaisser devant les loulous, les feux de l'île et tout ça là. C'est moi qui prenais toujours ton devant. Tu comprends? Parce que tu avais toujours dit la vérité que oui, tu avais demandé à Ahmed Kamel de prendre ce poste de président. Tu comprends? Il avait accepté que c'est toi qui sois président. Tu comprends?
Ouais. Moi, je ne dis rien du Cameroun, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai ri les lunettes et le chapeau du Cameroun d'abord. Non, non, tu as quelque chose. Il y a des catalogues. Non, j'allais même ça. Non, non, non. Okay, mais, comme, on m'a dit là-bas que, on a, que je suis dans l'association des violeurs, des les gars, ils sont en train de... Milliardaire. Tu deviens assidu à l'église. Et parce que moi, quand il faut dire des vérités, je dis des vérités. Tu comprends? Oui. Regarde très bien. Est-ce que je ne framponne pas les gens dans mon église pour faire de l'île quand quelqu'un vient manquer de respect à faire de l'île? Est-ce que vous m'avez déjà vu framponner Maman Anna, Choupi et consort? Est-ce que vous m'avez déjà vu? Mais c'est ce qu'on a dit là-bas à l'église. Nous-mêmes, on a dit à femme qu'à femme a été. Le point, c'est quoi? Quelque part. Non, je ne veux pas. Je vais dire une chose que j'ai retenue aujourd'hui dans le live et dans la femme. Tu avais raison en disant qu'à femme, c'est un dictateur. À femme aime quand les gens fonctionnent comme il veut. Voilà. Et on a senti que le problème là n'a pas fonctionné comme il voulait. C'est pour ça qu'il vient maintenant faire. Et j'assume ce que je dis. Et j'ai pris ma position. Je leur ai dit là-bas, tant que vous ne venez pas avec les preuves à femme, tu n'es pas crédible pour défendre D'Angelo Black ou bien la fille. Parce que tu ne peux pas attendre quand il y a une situation avec le pasteur, tu viens maintenant, non, tu prends un live pour dire que Milliardaire, je vous prends quelques exemples. Le problème avec mon fils là sur Facebook, tu comprends? La femme était d'abord mon ennemi sur la toile quand il y avait le combat. Tu comprends? J'ai déjà expliqué. Je ne supprime pas mes directs, tu comprends? Voilà. J'ai dit très bien, l'histoire des femmes là sur la toile, n'est-ce pas? On dit que D'Angelo Black a publié. Moi, je ne vois pas sur la page de D'Angelo Black là où il a publié. Tu comprends? C'est clair. Voilà. Et enfin, écoutez très bien. Non, non, attends, Pasto, attends, il dit quelque chose parce que je les ai entendus, Pasto. Pasto, attends. Non, Pasto, attends, avant que tu continues. J'ai continué la bande des galas, les quatre galas. Elles sont en train de dire que pourquoi est-ce qu'on demande les preuves? Parce que je les ai un peu suivies. Hein. Que pourquoi est-ce qu'on demande les preuves? Quand on dit qu'on a publié la nudité de quelqu'un quelque part, mais est-ce qu'on vient seulement dire qu'on a publié? On était dans un groupe là. On sait là où on a publié. Maintenant, le fait qu'on demande ça, Guilou dit que Guiliette, Wanda. Là, il dit que ce sont les pervers qui sont en train de vouloir voir ça. Bon, ok. Moi, j'ai dit à D'Angelo Black que s'il y a un endroit où il y a la vidéo de l'Angala, je vois ça, moi, je ne vais plus jamais lui parler. Moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que si je vois ça, je veux le condamner. Il ne peut pas tolérer ça. Et maintenant... je ne te coupe pas, tu comprends? Oui. Moi, je suis au courant de cette histoire. C'est Patou et Bongué. Et Patou et Bongué n'avaient pas poussé loin. Tu sais que Patou et Bongué, c'est quelqu'un qui appelle les gens, on ne l'appelle jamais en premier, tu comprends? C'est lui toujours, quand il a ton numéro, d'une star là sur la toile, il appelle. Donc, Patou et Bongué m'appelle, Patou et Bongué me dit, voilà, moi j'avais mort Patou et Bongué, dit que ouais, que depuis je ne te vois pas, que s'il y a le travail, te frappons ou quoi, tu comprends? Il me dit que oui. Après, il me dit, par contre, je t'appelle parce qu'il y a ma cousine qui est qu'on frappe à l'église. J'ai dit, quelle cousine? Elle me dit, elle J. J'ai dit que, ben non, elle J est bien à l'église. Elle a son... elle est même diachroniqueuse, tu comprends? Non, elle a, depuis le 8 mars, elle a une place à l'église. Après, il me dit que non. Tu ne sais pas, il y a un truc qui se passe, tu n'es pas au courant. Je dis c'est quoi? Tu comprends? Après, elle me dit, bon, voilà, est-ce que je peux faire monter SJ? Est-ce que tu comprends? Je dis oui. SJ monte, non seulement pour parler, elle avait du mal. Tu comprends? Elle me dit, après, elle me dit, voilà, bonjour, de com, voilà. Ça dit. Depuis du temps, tu comprends, non? Sur la vie de mes enfants, hein. Elle dit, je voulais t'en parler depuis, mais je n'avais pas ce courage, c'est pour ça que je suis passé par mon cousin, Patou et Bongué. Tu comprends? J'ai dit, tu sais, moi, je n'aime pas trop. J'ai dit, il y a quoi? Parce que moi, je sais que oui.
étoiles, tous les directs, tu mets les étoiles. Est-ce que tu comprends, milliardaire? Oui, je comprends. Après, je dis, il y a quoi? Elle me dit que oui, dans Zero Black, tu comprends? Après, elle dit, il y a quoi? Après, elle me dit que oui, tu sais, je suis allé vers dans Zero Black, de comment me remettre à ma place, je suis une femme, et je suis seule. Quand dans Zero Black parle, les femmes ont besoin d'être auprès des qui ont cette personne. Après, j'ai dit, il y a quoi? Après, elle me dit, allez vers dans Zero Black. Pas non, je n'arrivais pas à supporter que bon, même s'il faut être de la vie de mes enfants, voilà, EJ qui me raconte. Donc, tu comprends, non, il y a toujours ça. Et après, elle me dit que oui, mais par contre, j'ai rêvé que Jenny Junior sort avec. Après, vous rêvez que Jenny Junior sort avec, tu comprends? Jenny Junior a toujours à faire ça, que ce soit ma femme, que ce soit moi. Vous avez. Tu comprends, non? Ça veut dire. Tu peux venir nous. Tu comprends? À femme et moi, elle s'est mettue. Deux personnes se sont retrouvées, tu comprends? J'ai dit non, ne crois pas à l'histoire de Jenny Junior. Femme à femme. Oui, ça peut donner, connaissant dans la bulle que la femme a besoin d'une femme pour venir ici à Bengue. Tu comprends? Moi, je me dis toujours, c'est une histoire. C'est-à-dire, Jenny Junior, elle est peut-être là, je comprends, peut-être là, qu'elle a joué un bon rôle, c'est-à-dire pour la femme, pour que la femme puisse avoir une gâche. Je suis la vie de mes enfants. Hein. Après, elle me dit que oui, mais avant la femme, c'est pas ça. Dangero Black m'a bloqué. Est-ce que tu peux demander à Dangero Black que oui, j'ai envie de parler. Oui, il faut qu'on parle. Ça dit, sans ancrer dans les profondeurs, mes gens. Et moi, j'avais framponné Jenny Junior. Je vous jure sur la tête de mes enfants. Voilà. Si Patrick est bon, eux honnêtes et SJSJ, elles peuvent venir témoigner. Pour moi, c'est toujours une histoire banale. Je ne savais pas que oui, c'est déjà partout dans les inbox. Et donc, et moi, qu'est-ce que je fais? Écoute-moi très bien, du camère. Là, je ne veux pas te raconter. Qu'est-ce que je fais? Étant donné que c'est une histoire banale, tu comprends? Que Jenny Junior ne veut pas que SJSJ, peut-être qu'elle veut que, comme ma femme cherche un mari, une femme, ici en France. Écoute-moi très bien, parce que la femme, depuis que la femme a perdu, ça. Voilà. La femme, quand il m'appelle, il me dit, pasteur. Le refoulé, si le refoulé. Il m'a manqué l'argent. Il venait de toucher la réunion, il me dit, pasteur. S'il y a un plan, voilà, pour le marais de Watt, tu comprends, non? Voilà. Sur la vie de mes enfants, c'est là où. Observez très bien qu'à un moment. C'est à ce niveau que j'ai dit que la femme est fâchée de temps passé. Il y a des secrets que tu as dévoilés. Du camer, tu connais quand Dangero Black est arrivé à l'église. Hein? Est-ce qu'il était comme ça? Quand il a commencé à intervenir, c'était quoi? Il donnait ses conseils-là aux abeilles, aux gens de team, que oui, vous supportez vos patronats. Si vous cotisiez, surtout Fleur de Lille, un euro tous les mois. Non, tu sais quoi, Décom, vas-y, on parle de ça tous ensemble, parce que ne prends pas la parole, ils vont commencer à dire que c'est les étoiles, c'est quoi là. Permettons qu'on explique, parce que la bande d'Engala, c'est l'Engala que le directeur... Le gars dit Kamer, tandis qu'il dit à l'église que Tatiana Mimba, la femme, c'est que toi tu dis là. Moi, je vois, elle a une petite voix innocente, tu ne peux pas me dire que c'est une vieille peau. C'est l'Engala.
Je vois même ça. Attends, Afam t'a publié. Afam t'a publié, toi, ça, Blakata. Afam a publié la panthère du zoo. Elle oublie ça. Non, il faut avoir peur d'un gars. La femme, c'est l'engas, si vous pouvez que l'engas, c'est le démon. Vous dites que l'engas, si vous pouvez que vous êtes des démons, il ne peut pas vous supporter. Personne d'entre nous trois ne supporte qu'on publie la nudité d'un gars. Ne nous faites pas porter ça. Personne. Tu comprends? Les gens ont dit qu'on est venu acheter les gens parce que vous ne connaissez pas la vraie vie des gens, mes frères. On ne peut pas m'acheter pour ça. Quand Danger me donnait les effets, il donnait ça quand il n'y avait pas de problème. Mais à cause du problème là, il ne me donne même plus. Donc laissez ça quand il m'a donné quelque chose. Moi, je suis quelqu'un que j'aime pas. Je fais le japap, mais quand ça devient la méchanceté, moi, je m'abstiens. Il dit que non, stop. Même ma réconciliation avec Compression, vous avez vu de quelle manière cela s'était passé. Ma conseillère a dit que c'est bon avec Langassi. On se parle et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est un coup d'état. Voilà. Vous avez une bande voilà. De gars, je ne sais pas. Si le problème, voilà, c'est tout. Le problème est en justice, d'accord. Hein? Le problème est en justice, on va savoir. Maintenant, on ne peut pas accuser quelqu'un quand un problème est à la justice. Moi, j'ai accusé D'Angelo Blake d'avoir fait quoi? D'avoir utilisé Jenny Junior pour mettre un terme à la relation. Et Jenny Junior est allé s'engueuler avec Langa. Et que tu n'aurais pas dû. Tu aurais dû porter tes couilles et dire à la fille que moi, elle ne veut plus. Affronter Langa. C'est ce que tu as dit à D'Angelo Blake, que tu as mal fait. Mais vous savez, n'importe qui peut. Nous, on a dit quand même. Après le coup de fil de Patrick Bongue et de SJSJ, pour moi, c'est une histoire banale. Tu comprends? Voilà. Qu'elle me dit, elle a commencé à flotter avec la femme, mais elle ne sent pas la femme, tu comprends, non? Faut que je demande à D'Angelo Blair de la déboucler, tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu sais, j'aime quand je dis prendre une minute de silence. Oui. C'est deux jours après, j'appelle D'Angelo Blair et je frappe pas Jenny Junior, c'est D'Angelo Blair, en disant que lui. Mais je te coupe pas, Pasto. J'avais déjà trampolé Jenny Junior. Du camer, je te coupe pas. Tu comprends? C'est toi, je le framponnais. Jenny Junior, tu comprends, non? Oui. C'est là, sur Facebook, je suis plus proche de Jenny Junior parce que c'est depuis le Cameroun, tu comprends? Voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça veut dire c'est moi qui commence à publier Jenny Junior. C'est story. Après, à femme, nous tous là. Et quand D'Angelo Blake nous a rejoint, à un moment, il a aussi commencé à publier. Tu comprends? Mais moi, j'ai été contre par mon à côté. Est-ce que tu comprends un peu? Que ma tante, pourquoi tu publies? Est-ce que tu comprends un peu, Ducamer? Moi, j'ai arrêté de publier. D'Angelo Blake et à femme ont continué à publier Jenny Junior. Tu comprends? Voilà. C'est ça le truc. C'est moi qui commence à publier Jenny Junior pour framponner Isaacam. Hein, tu comprends? Et donc, ça veut dire, nous tous, on a commencé à publier à femme dans le monde de moi. Pasto, s'il te plaît, dans cette conversation avec toi, respectons un peu tout le monde. Comment ça voilà, Nicole, exclusivement, Nicole. On respecte un peu tout le monde. Respecte en direct, voilà. Dans cette discussion. Voilà. Merci. Voilà. Non, même pas que mon direct. Hein. Prenons ça au sérieux. Laissons les. Voilà. C'est-à-dire, prenons, parce que c'est quelque chose qui est sérieux. Il faut que les gens comprennent les vraies positions des gens. Ils veulent nous faire croire. Quand ils parlent de dépravation de mœurs, la première dépravation de mœurs, c'est qu'une gars, tu ne connais pas quelqu'un. Tu peux aussi me poser la question. C'est une histoire que vous racontez là. Une femme, elle a la chance. Tu peux aussi me poser la question sur le coup de fil du pasteur. Donc, la femme parle beaucoup. Tu comprends? Le coup. Voilà. Voilà. Maintenant, j'en ai parlé dans mon direct. Ça, c'est d'abord à condamner. Voilà. C'est elle qui a publié D'Angelo Blake. Donc, vos plaintes, sachez qu'il a aussi, il a porté plainte pour ça aussi. D'accord? Et maintenant, si votre plainte ne prospère pas, il va porter plainte pour diffamation. Hein. Donc, soyez prêts dans ce que vous êtes tenté de monter là. On a voulu que cette histoire, qu'on essaie de s'arranger. Parce que si elle ne prouve pas qu'elle a été publiée, D'Angelo Blake, puisqu'il est en train d'être sali par vous sur la toile, il va vous porter plainte pour diffamation. Je dis qu'il est en droit. Quelque chose qui est très simple comme ça qu'on demande. On vous demande venez avec les preuves.
On soutient non, il faut que la victime. Danger, non, il ne pouvait pas venir avec une information. Il n'y a pas de preuves et vous voulez qu'on soutienne. Et moi, au début, quand je suis arrivé dans le live d'Afam, au début, je me suis dit que ce que Afam voulait dire, ça avait un sens. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de rancœur et de haine dans sa personne, dans son live. Parce que, oui. Et à un moment donné, même après Montel, lui a dit que c'est toi le premier à distiller la haine. Et elle ne manque pas. Oui, il a nié. Alors que c'est quand il entend même parler. Il a nié. Tu vois ce qu'il a nié. Bien, il a nié. Tu lui as dit, tu dis bien que ça ne va pas avec tes valeurs. Tu peux te désolariser de la chose sans toutefois venir faire un live pour parler de ça. À insulter. Mets la photo de Marco. Comment quelqu'un peut dire défendre les femmes? Mais il a passé le temps à insulter. Voilà. Les femmes. Parce que Deko Mamougou n'a même pas dit qu'il défend. Deko Mamougou n'est pas même dans l'optique qu'il défend les gars. Lui, il a su. Il a publié la panthère du jour. Il a dénigreur de la femme. Alors. Voilà. Et voilà. Même Tatiana Mimbang. Voilà. Voilà, tandis que moi, poser la question. Il a vu la fille a fait la voix. Petite voix innocente. Comme une petite gamine. Afam, c'est une très beau. Il a diffamé la fille ici parce que c'était la diffamation. Tatiana, tu as été diffamé par femme. Pourquoi Afam ne m'a pas fait part de l'histoire? Que ce soit des stars Bakata, que ce soit. Voilà des. Afam n'est pas. Moi, parce que Afam n'est pas quelqu'un crédible. Une information sur la toile concernant la nudité d'une femme et on croit. Miladé, pardon mon frère. Il a dit qu'il a pris les dos, non? Il a dit, attends, il a dit qu'il a pris les dos. Il a dit que le pasteur s'est suivi à cause des étoiles. Hein, il a dit, lui a dit que je ne parle pas. Il a dit qu'il y a les pasteurs. Miladé. Du camé. Tu comprends? Tu sais, nous avions une bulle. Tu comprends? Voilà. Et moi, même ma femme peut te dire, je n'interviens pas beaucoup. Je vous dis toujours, quand je donne mon temps là sur Facebook, c'est qu'on me reproche, c'est ce que moi je suis en train de faire quand j'ai fini mes directs. Voilà. Milliardaire. Non, attends. Loïc a dit que pourquoi on n'a pas les preuves. Non, Loïc a posé, Loïc a parlé. Pour moi, attends, je vais lui répondre. Loïc. Parce que quand on demande les preuves, pourquoi faire? J'ai dit d'accord. Mais Loïc, c'est quand tu m'as envoyé que tu as envoyé 158 mots à la Lyon que j'ai su que tu l'as envoyé plus d'argent. Tu as prouvé. La Lyon te réclame. Est-ce que vous dites que le gars il a publié la femme, on ne l'a nulle part. Sur la base, vous dites que Jenny Dunant a dit et Jenny Tenier. Vous croyez qu'on met quelqu'un en prison parce que. Tu m'as montré que la Lyon est sans encore plus d'argent. Tu es en train de te montrer que c'est de ne plus d'argent. Et maintenant, quand tu as quelqu'un qui. Il a montré, je ne sais pas quoi, il parle de. Il a la nudité. Est-ce que tu as vu la nudité? Il n'a pas vu la nudité. De quoi parlons-nous? Et je vous ai toujours dit que ne venez pas mentir. On sait très bien que vous voyez pas ça seul. Donc ne venez pas jouer la nudité quand il y a la nudité. Vous êtes fait beaucoup de. C'est quoi l'église? Et c'est pas un bonheur. Et un gros monteur, tu as pris l'argent que tu as épreuve. Si tu ne prouves pas ça, tu as pris l'argent que tu as. Non, regarde comment tu manques.
sont les passer conversation les dames je ne pas sont vraiment rien faire. Tu veux la bouche ici comme ça. Quand on va demander des preuves, j'ai des photos. Tu viens, 3 ans, tu parles avec quelqu'un, tu as les mains, tu envoies les pèses, tu envoies les seins, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler, on envoie des trucs aux inconnus? Tu vas aller dire ça à un juge. Mais ça, on démontre ça très vite. Madame. Du camère. Je te jure, sorti de vidéo comme j'ai fait pour mon seigneur là, voilà les femmes, c'est comme ça que les titres de tes vidéos où tu traites des pieds, je sais pas quoi, tu défends le physique. Un homme qui parle mal aux femmes ne peut pas prétendre être en train de défendre la femme, adore la femme. Les tes statuts, je vais les publier, tu ne peux pas, tu es mal passé. Qu'on peut lui pardonner, il n'a jamais dit que je défends la femme. Il fait son show, il fait ce truc, ça fait les gens. Mais toi, tu veux quitter les femmes et dire que non, je défends la femme, je me bats pour la femme. Toi, quand tu veux quitter l'engagement, tu peux respirer, mon frère. Maintenant, tu es là, le petit coup d'état, et je suis électron libre. Tu es électron libre. Hein? Ça va, tu as le problème, tu es électron libre. Après le problème, si tu vas dire quoi aux gens. Je vais vous expliquer le coup de fil du coup de fil du pasteur. Les gens peuvent peut-être croire que c'est la première fois. De un jour le pasteur monte, tu comprends? Le pasteur, bon voilà, fait son bon travail comme d'habitude. Après un moment, me dit, bon voilà, pasteur de Komamougou, voilà, il faut qu'on trouve, voilà, un temps pour discuter, parce que Afam est venu me voir, tu comprends? Après, Afam est monté, il dit c'est le poisson d'avril, tu comprends? Lui-même, il s'est craqué aujourd'hui qu'il avait parlé au pasteur, dans le coup de fil du pasteur, tu comprends? C'était pour que quoi? Que j'essaie un peu de voir dans Zéro Black, tu comprends? Voilà, pour qu'on puisse parler, tu comprends, non? Qu'il aime bien nous voir à toi, tu comprends, non? Il aime bien nous voir à toi. Nous avons discuté peut-être qu'une heure et demie. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il fait? Comme j'avais programmé le direct, il me dit, est-ce que je peux faire monter ton frère? Tu comprends? Il avait même hésité parce que je lui avais dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça là plus tard? Il m'a dit, non, 5 minutes. Tu comprends? Il a fait monter Afam. Afam est venu violemment. Tu comprends? Il me dit, pasteur, voilà. Et il y a une histoire, voilà ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu comprends, non? Moi, j'ai déjà vu les 16 Anango et du Kamer sur la vie de mes enfants. C'est là où je comprends tout de suite que m'attend. Donc, il y a une histoire derrière mon dos, je ne suis pas au courant. Parce que lui-même avait les stars Bakata, les panthères du zoo, je n'ai jamais été au courant. Qu'est-ce que je fais donc? Comme c'est le passeur, parce que j'avais dit oui, si on peut parler le week-end, il n'y avait pas un jour précis, il n'y avait pas une date, une heure précise. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire, c'est la façon que Afam, la façon qu'il m'avait dit, si je ne fais rien, voilà, que oui, ceci, cela.
tu comprends? Et je me dis, Matin, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça là depuis, tu comprends? Je m'énerve donc, tu comprends? Et je descends. Le pasteur peut vous dire ça. Est-ce que tu comprends? Et c'est là où je viens donc alors sortir ça que donc. Quand vous faites vos clips derrière, vous ne me mettez pas au courant. Je préfère sortir parce que c'est une histoire grave. Vous qui voulez connaître la vérité, c'était ça. Si je commence ça, parce que j'avais compris que non, il y avait des choses qui se passaient derrière. Voilà. La femme ne m'avait jamais dit que oui, il y a ceci. Il dit que je suis au courant depuis. Je n'ai jamais été au courant depuis. Je vous ai montré. Voilà. Quand Patou et Bongue m'appelle. Et Dieu, voilà. Tu étais au courant. Oh. Tu n'étais pas au courant. Oh. Franchement, tu n'as pas quoi dedans. Adulte, courant, oh. C'est ça le problème. Tu n'étais pas au courant. Tu le juges. Milliardaire, lui-même, quand il s'est le pasteur, écoute un pourquoi peu. Pourquoi tu portes ça sur toi, le pasteur? Moi, personnellement, tu sais pourquoi tu portes ça sur toi? Parce que, premièrement, c'est deux personnes adultes. Deuxièmement, il n'y a pas de preuves. Troisièmement, la femme vient dire qu'il s'est désolé parce que tu n'as pas respecté la femme. Plus grossier envers les femmes sur Facebook, il n'y a pas que lui. La femme est le plus grossier. Il a caricaturé ma faute ici de c'est le premier, regarde. Il a caricaturé sa faute de comprendre. Il défend les femmes. Lui, il dit qu'il demande pardon. Même son pardon, il est incapable de dire je demande pardon à Mafou. Même Mafou est monté. Il est incapable. À Mafou. Et il dit à Mafou de se repentir. Il est incapable de dire excuse-moi. Il lui, il trouve que de mépris. Et aujourd'hui, les gens vont s'asseoir. Tu as vu les le mépris? Les vont devenir en bas. Ils vont dire que les prix total. Mépris total. Pas crédible s'il n'y a pas de preuve. Et je reste sur cette décision. Mais je peux vous garantir un truc. Hein. Non, je vais vous garantir un truc. Si Dangelo porte plainte à l'Angala pour avoir pris sa photo, il faut qu'elle vous dise. Si, attendez, vous dites quelque chose que moi je confirme ma photo. Il dit que le gars. Si Dangelo. Observez très bien. Si Dangelo porte plainte à l'Angala pour avoir pris sa photo, milliardaire, c'est moi, tu m'écoutes. Si Dangelo porte plainte à l'Angala, parce que c'est elle qui a publié la photo de quelqu'un n'a pas le droit. Moi, je m'en vais à la police. Oui. Je suis témoin de ça. J'ai soutenu parce qu'elle m'a envoyé ça. Elle n'a pas le droit. Voilà. Moi, je m'en vais témoigner. Parce qu'on va demander maintenant que, bon, où est-ce qu'elle a été publiée? Je ne sais pas qui va venir accepter que... Parce que Jenny Junior a dit qu'elle n'a rien du tout. Sylvie Théa a dit qu'elle n'a rien du tout. Mais moi, bien sûr. Je vais aller... J'ai dit que je pars m'asseoir. Le jour, elle a dit que Dangelo, je suis le témoin de ça. Parce qu'elle m'a envoyé. De toute manière, je suis le témoin. Elle m'a envoyé la photo et c'est capturé au frais, propre. Et maintenant, à femme, il faut pouvoir être témoin au tribunal hein, parce qu'il ne faut pas supporter derrière. Il ne faut pas babader derrière. Moi, je vais aller au tribunal. Que oui, effectivement, elle m'a envoyé la photo de quelqu'un alors qu'elle n'avait pas... Dicamer. J'ai dit juste qu'aujourd'hui, je me bats. J'ai vu en France, je me basais sur la loi française. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, n'est-ce pas? Voilà, moi je sais, je suis la vie de mes enfants. Mais quand il demandait ça, Tatiana Bimbang me dit que est-ce que je suis vraiment militaire? Donc demander les preuves veut dire que. Ça dit que tu as, donc je vais me mettre dans un live, je me mets à accuser mon frère. Dans un, alors que je n'ai rien vu. Tatiana, donc en vrai, c'est qu'elle voulait, en vrai, c'est qu'il y a moi, femme. Donc toute la guerre là, c'était le Yamo. Hein. Il confirme ça. L'autre n'était pas une vraie guerre. L'autre vient dire, je suis juriste. N'importe quoi. Il y a voilà, pas les quelles preuves? Un juriste ne demande pas les preuves. J'ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit que même quand tu donnes les preuves, on envoie au service d'authentification. On authentifie d'abord ces preuves, même si c'est ma voix. Tant qu'on n'authentifie pas, on ne confirme pas que c'est moi qui parlais. Est-ce qu'ils connaissent même ce que c'est qu'une enquête? Vous pensez que les Sousa, ils vont rester là, ils seront jamais là. Il faut venir. Vous Angala, pensez que les preuves, c'est que tu vas venir avec une voix qui dit que écoutez, la voix de Dangelo, on accepte. Je vais on t'identifie comment. Tu vas venir que. Pression sur la fille, sur les dépravations de les mots des gens. Pourquoi vous ne condamnez pas l'Angala que la fille a même s'est excusée. Hein. Elle-même, elle a dit qu'elle n'aurait pas dû censer. Oui. Et même elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Envoyez, c'est oui.
Elle m'avait dit qu'elle avait envoyé. Elle m'a pas parlé que oui. Hein? Ça a été en résolution. Elle m'a dit, regarde un peu, et j'ai entendu le malhonnête là. La femme est très malhonnête. Je vais le déconstruire. Il a dit que D'Angelo a simplement capturé Langa. Putain, Langa reconnaît dans les messages qu'elle a envoyé que non. Le problème, c'était du camé. Le problème, c'était du camé. Voilà deux mensonges. Allez, je comprends. J'ai préféré, tu comprends, non? Soutenir D'Angelo bien pour les étoiles. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Attends. Voilà. Même si tu as supporté ou tu n'as pas supporté pour les étoiles, est-ce que ça change? Parler. Il a même prononcé un mot un peu comme tribaliste ou quelque chose comme ça quand il faisait le live. Je ne sais pas trop. Afam, quand tu entends Afam parler, c'est qu'il y a des choses qui sont passées. On n'a pas voulu dire Afam. Il a découvert après et ça l'a révolté. Il croyait qu'il était... Vous savez, parfois quand vous êtes un clan, il y a des choses qu'on ne peut pas te dire parce qu'on juge que peut-être ton comportement ou bien ton attitude ou bien ta réaction ne va pas avec certains secrets. Et on décide de ne pas te dire. Vous comprenez un peu le nom du camer. Moi, je vous dis tout de suite que... Mais ça, c'est clair. Si, D'Angelo, il y a les preuves, si il y a la liste de la femme là-dedans, je ne supporte pas. Peut le supporter. Je vous dis directement. Non, 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 il ne peut pas le supporter. Hein. Si quelqu'un a le way là, tu sais, milliardaire, on avait un groupe Messenger. Il y a un gars là qui faisait ça. Alors? Quand il a fait, on a vu qu'il a publié un gars. On allait dire à l'Angala porte plainte. Moi-même, j'ai dit à l'Angala porte plainte. Le gars, c'était la guerre. Mais la fille a refusé de porter plainte. Je te parle de que ça, la fille est partout. Tu vois? Moi, j'ai fait le direct pour condamner. C'est parce que vous avez vu ce direct, c'est un gars au Canada. J'ai fait le direct pour condamner. Vous pouvez combattre la nudité plus que moi. Le gars, c'était mon ami intime, mon ami. Je ne vais pas donner son nom. Je suis venu sur Facebook, j'ai allumé le direct pour parler de ce gars qui a publié une fille. Et la fille, maintenant, quand on a dit porte plainte au Cameroun, elle est partie s'est calmée, elle n'a pas porté plainte. Qu'est-ce que je fais? Vous savez le nombre de fois qu'on a combattu la nudité ici, là, sur Internet. Donc, c'est maintenant que vous venez faire ça. D'Angelo est au courant, il sait très bien. La femme va écouter encore bien le live. La vidéo, il ne m'a même pas laissé monter, mon cher. Une fois après, je suis descendu. Et maintenant, celui qui parle là. Tu te rappelles de la pièce? Son direct, je ne sais pas si c'est avant-hier, quand il dit D'Angelo est venu uniquement pour arracher ma place, pour prendre ma place. Posez-vous des questions. D'Angelo Black, c'est moi qui présente D'Angelo Black à ça. Dès que D'Angelo Black est venu à l'église, parce que j'ai commencé à faire son attaque à la coupe, parce que j'avais repéré D'Angelo Black chez Kimbo Jimbo, Antoine Bachot, tu comprends? Voilà. Donc, ça fait quoi? Quand je commence à faire l'attaque à la coupe, j'appelle la femme et dis, va lire le profil d'Angelo Black. Quand D'Angelo Black est arrivé à l'église, vous avez vu au début, voilà. Donner des bons conseils, n'est-ce pas? À la femme, quand lui montait, il gâtait le travail de D'Angelo Black. Il insultait ma peau. Tu comprends? Regardez très bien. Il y a souvent parfois, hein, c'est comme j'avais frappé Sanga Manga, n'est-ce pas? Parce que elle était venue pour frapper ma peau. J'ai frappé Sanga Manga, vous souvenez? Et après, quand la femme monte, il n'est pas d'accord que moi je frappe un Sanga Manga. Tu comprends, non? Qu'il fallait laisser que ça explique. Voilà. On savait très bien, moi, ma devise, c'est quoi? Je frappe et après je fais des câlins. C'est comme un parent qui fouette son enfant, après la punition, ça passe son enfant, ça dépose. Mais tu as vu, attends un peu, franchement. Et là, comment il a manipulé Bukadi? Non, Bukadi était dans son direct. Il nous a fait descendre parce qu'on était contre. C'est Bukadi Béron. Non, t'inquiète. Bukadi était. On a eu le même raisonnement et ça n'allait pas dans leur sens. Ils ont dit que pitié pour nous, on soutient un homme qui. Oui. Regarde l'affaire Le Bon. Tu te rappelles l'affaire Le Bon sur la toile? Que Le Bon a dormi avec Sanga. Langa est parti porter plainte Le Bon que Le Bon l'a violé. Les gens, ils nous parlent de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé sur la toile? Le Bon, on l'a chassé du
Canada à cause d'une histoire mensongère, qu'il dort avec sa femme doit porter plainte, que le gars l'a violé. La fête, si mais c'est pas là où le bon est là-bas, s'il est là, le, il aime le jardin. Depuis qu'on parle, moi j'ai testé l'Angala, elle m'a appelé, j'ai confirmé que c'est une gars qui est malade dans la tête, c'est une folle. Elle m'a appelé, j'ai dit qu'elle veut se suicider. Tu comprends? Alors qu'elle ne voulait pas se suicider, alors que c'est un coup porté par la femme pour qu'elle m'enregistre. Mais l'enregistrement, j'ai cherché ça. Hein. Madame, tu tentes de publier un truc que tu m'as enregistré. Alors, il m'avait été poursuivre. Tu as vu depuis que je parlais là, est-ce qu'elle publie nos conversations? Non. Mais j'irai témoigner si dangereux te porte plainte pour avoir publié sa photo. Vous croyez qu'on est dans votre pays à vous là? Du Cameroun. Le gars dort avec son gars dans le lit. Le matin, l'angago lui déposait. Voilà. Et le gars qui était cadre de banque, sa carrière a basculé. Mais c'est des cas qu'on retrouve tous les jours. Vous pensez que le pasteur, on met les gens en prison parce qu'on a. Il ne faut pas que Afam manipule les gens en disant qu'il est quitté de lui-même. Il a été refoulé. Non, la nuance, ça s'est passé devant nous. Voilà. Il ne faut pas qu'il vienne dire que oui. Hein? Et en plus, il vous dit ça, hein, cette histoire-là, la séparation lui fait mal, tu comprends, non? J'ai viré à femme parce que lui, il est à la base. Il est à la base, il dit qu'il est politicien, tu comprends, non? J'avais dit, j'avais vu tout venir, tu comprends, non? Il a été viré, hein, refoulé. Faut pas que vienne dire. Il a demandé aujourd'hui que quel est ton véritable problème avec le parquet? Non, mais tu ne parles pas. Est-ce qu'il m'avait dit tout ce qu'il connaissait de cette histoire? Est-ce qu'il n'avait pas en parler? J'ai suivi ton premier direct et j'ai dit à Loïc Chap, j'ai répondu en bas en commentaire, puisque nous ne laissons pas monter, que toi, tu as dit dans ton direct que tu es fâché d'Afam parce que, premièrement, il est dictateur. Deuxièmement, il aime quand les choses marchent comme il veut. Et que quand ça ne marche pas comme il veut, il sort, il vient faire la victime. C'est ce que tu as dit dans ton premier direct et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui moi-même. Et moi, j'aime pas les blogueurs qui me sont les menteurs. Quand tu me flamboyer, quand ne manque pas sur quelqu'un. Même qu'il a dit à Louis Chapi que il veut pas passer, c'est pour les étoiles. Louis a dit que le pasteur a besoin des étoiles. L'histoire d'argent il a besoin de ça. Nous-mêmes, avant de commencer à voir ces étoiles-là ici, là, ça fait 6 mois. Les juristes sont d'abord des gens qui sont très faux parce que même le criminel, je dis celui qu'on sait qui l'a tué, mais elle vient le défendre. Donc le juriste n'est pas quelqu'un de crédible. Oshiga, qu'on vient dire qu'elle est juriste là. Qui est même juriste là? Mais voilà. Orisha, mais un juriste, c'est quelqu'un qui étudie le droit. Est-ce que ça veut dire que tu es avocat ou tu es quelque chose? Quand tu étudies le droit, tu es juriste. Donc, arrêtons de croire que quelqu'un est juriste, ça veut dire qu'il est juriste à la justice. Hein. Toute personne qui étudie le droit est juriste. Donc, ne venez pas nous expliquer avec les gros noms ici. Là. Orisha, avec ton truc. Toi, tu m'as envoyé les étoiles, non? Pourquoi il te supporte pas? Tu me cramponnais souvent que Facebook ne me donne pas l'occasion de gagner les étoiles. Alors que Facebook avait donné l'occasion à Femme de gagner les étoiles à 1000 abonnés, tu comprends? Mais pour tous les Femme, qui ont gagné 5000 étoiles, et d'Angelo, débarque-moi dans les likes, on dit au pasteur. Parce qu'il faut monétiser ta page. Passe au direct autant que je ne veux pas les choses là. C'est du Kamer. Du Kamer, souviens-toi du direct. Amen Kamer et toi, cher Amen Kamer. Là, tu dis, là, vous dites. Même Facebook autorise à femme, tu comprends, non, de gagner des sous, mais son patron, tu comprends, non. Alors que moi, je vous dis toujours, quand je répondais souvent, que Facebook m'envoie des notifications, des messages, que oui, je peux y gagner des sous, tu comprends, non. Mais comme moi, je m'en foutais, tu comprends, et c'est là où je suis parti appuyer sur les notifications de Facebook. Moi-même, j'ai mis les étoiles. Est-ce que tu sais que depuis janvier, je n'ai pas encore touché toutes les étoiles qu'on a eu à donner, il y a au moins 1 300 € bloqués. On me dit... Hein? Alors? Mon frère, c'est ton agent. Pour que je puisse être... C'est ton agent. Je n'ai pas encore fini de faire la configuration. C'est ton agent. Je prends ça. Hein?
Non, je dis, je ne peux pas toucher les sous parce que il y a un souci, on me demande si c'est le numéro de la TVA. Non, non, en fait, si tu m'appelles, je vais te montrer, c'est rien. Le mode de paiement, c'est rien. Ce qu'on demande là, c'est rien. Regarde un peu, hein. Dangereux Black s'est exprimé. Déjà, il était dans le live de Décom et il a été dans mon live pour s'exprimer. Il n'a rien à dire avec vous. Et vous, et il revient, Dangereux Black revient. Tant il revient avec le pasteur. Tant qu'il n'y a pas les preuves, il ne se bat pas. Il prend position là, il va prendre ça. Et il aura mon soutien. Vous n'allez plus manipuler les gens sur Facebook en disant que tel a fait ceci, on ne voit rien. Tant qu'il n'y a pas les preuves, oui, tant qu'il n'y a pas les preuves, il reste. On ne voit rien, on n'accuse pas les gens avec la bouche. Propre. Mon frère, je vais te dire un truc, hein. j'ai failli aller en prison. Il bavarde même le truc là. Tu connais le nombre de fois que j'ai failli aller en prison à cause de quelqu'un pas m'accuser pour rien. Jusqu'à ce qu'on arrive comme ça, là, même le procureur me dit rentre chez toi. Quelqu'un peut te monter une histoire voilà. Gratuitement. Hein, vous avez vu l'histoire de Patricia Mel et Flo au tribunal. Parce que c'est elle qui avait de l'idée Flo a créé sa marque. Patricia Mel est partie revendiquer. Directement, elle a dit que c'est son nom. Revendiquer la marque de Flo. Le nom. Elle a dit que c'est son nom. Magina Kinkam, c'est son nom. C'est son nom. Mais vous avez vu l'affaire au tribunal. On a même vu des. Donc vous croyez que parce qu'on se blinde des gens, on veut les preuves. Ou des hommes qui se sont filmés, ils se sont entendus, ils se sont filmés nus. Après, l'autre prend la vie, pas donner à quelqu'un d'autre que publie ça. Je veux porter plainte pour gagner l'argent derrière le gars là ou derrière la dame là. Et Tatiana Mimba est partie, dit que on pense que on n'a même pas 5000 euros dans notre compte. Tatiana Mimba, tu juges l'argent des gens comment? Dis-moi un peu. Vous qui êtes très intelligente là. Tu es parti sur l'application que Ducamé. 5000 euros là, tu juges comment? Tu sais que Ducamé, quand quelqu'un dit que. Tu n'as pas 5 000 euros, ça veut dire que c'est son niveau là-bas. Tu comprends un peu, Ducamé? Parce que quelqu'un que son niveau c'est 100 000 euros, va dire qu'il faut aller comme ça alors qu'il n'a pas 100 000 euros. La sorcellerie. Donc, si quelqu'un te dit que tu n'as pas 5 000 euros, c'est son niveau. On est là, on passe tout le temps ici dans les commentaires. Et moi, je vais vous déconstruire hein, et vous allez pleurer. Parce que je sais qui, même les faux profils, c'est qui part en vacances ou qui ne part pas en vacances. Ça fait un an, Tatiana, on tape les commentaires. Du camé, vraiment. Donc, tu n'as pas d'argent. Comme tu es parti en vacances, on va calmer. Donc, je vais même jamais demander si tu as les papiers. Tu as les papiers. Bah, tu n'as pas encore voyagé. Hein. Non, 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 laissez-moi un frampone. Parce que je contrôle mon faux profil très bien. Tu as compris? Ça fait un an, Tatiana, tu n'as pas bougé. Tu es allé en vacances quand je suis allé au Cameroun. Et comme j'étais allé au Cameroun, quand vous venez montrer les dos là, tu es allé au Cameroun. Tu es allé au Cameroun ça matin, midi, soir. Donc, toi-même. La jachère qui te gère. Voilà un milliardaire qui est au Cameroun. Donc, normalement, quelqu'un qui est bien en Belgique, chaque année, il y a ses vacances, il part quelque part, Mimbang. Parce que toi, tu es avec toi, tu es une bonne petite sorcière. Je ne suis plus. Je vais faire le blog comme comment on appelle? Le vieux que j'ai cité là. Lui, il ne prend même pas les gens dans ses lives. Il parle seul, celui qui est là. Parce que les gens que tu prends dans les lives, c'est tes futurs sorciers. Sauf milliardaire. Oui, c'était. Tu peux faire quoi? Tu es avec moi, tu peux t'asseoir dans le direct de ta femme jusqu'à tu es modératrice là-bas. Mars, jusqu'à tu viens encore envoyer la demande d'appel ici. J'ai gobe ça. Dès comme Amoureux et moi, on est dans le mais bien, ça nous prend. Bien sûr. Il y a la mystice, il y a le temps des problèmes. Pour l'instant, c'est la mystice. Et parce que vous voulez. Oui, c'est comme ça, je décrète la mystice. Voilà. Mais vous, là, vous êtes. Quand vous êtes dans les faux profils, là, vous avez les gens que vous devez soutenir. Un faux profil ne doit pas être un Wolowos. Quand tu es Wolowos, tu n'es plus. De comment Mugu prends les leçons parce que le truc de Judas là, il faut pas que ça t'arrive. Ducamé et la femme est très méprisant. Il demande pardon, il demande pardon à toutes les femmes. Non, on insiste en bas en disant que demande pardon à Mafo. Demande à Mafo que tu as caricaturé pendant il esquive. Dès que Mafo monte, même si lui n'arrive pas à demander pardon à Mafo, il dit il faut te repentir. Lui qui peut demander à Mafo de se repentir. Tu as 10 000 abonnés sur ta page, tu dois monétiser. Pourquoi tu ne monétises pas? Tu as trop d'argent. Il faut se poser des questions. Est-ce que tu as l'endance? Parce que pour monétiser, il faut les papiers. Quand vous attaquez les gens, vous venez là, vous supportez les gens. Après, vous partez supporter les ennemis. Là. Non, moi, je suis sur toi. Hein. Parce que tu as 10 000.
000 abonnés, tu peux monétiser. Tu ne m'en dis pas. Est-ce que tu as le... Montre-moi que tu as le Kaolo. Moi, tu m'as demandé 5 000 euros. Je vais te montrer 5 000 euros, peut-être de soir. Tu vas me montrer si tu as les papiers. Ne venez pas... Les défis que vous donnez là, je relève ça. Et je te demande, toi, tu as les papiers. Parce que tu as 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Faux profil avec 10 000 abonnés. Pourquoi tu ne monétises pas? Je te pose la question. Donc, moi, je vais te dire que si tu as les papiers là où tu vis, tu as les Kaolo. Montre, moi, il n'y a aucun problème. Tu as compris, non? Femme, mec. Donc, ne venez pas pour tromper les gens. Ça ne marche plus. C'est tout ce qu'on demande. Qui n'accuse pas le pasteur. Moi, parle avec mon ennemi. On est ennemis. Voilà. Et tu me montres les... Je vais te montrer 5 000. Je vais te montrer plus. Parce que moi, je sais que c'est qui fait mal à la femme. C'est parce que... Je vais te publier comme oui. Ça. Oui. Oui, il veut faire la guerre avec le pasteur. Moi-même, c'est ce que j'ai constaté. Il veut faire la guerre. Parce qu'il veut montrer qu'il est plus dangereux. Mais comme Amoua, son fait des révélations sur lui. Et le pasteur a dit ce jour que voilà. Je ne fais pas des révélations sur lui. Je trahis nos secrets. Parce que tu es parti aussi nous trahir. Le pasteur a dit que je trahis aussi tes secrets. Les poules. Que tu as dit que. Et toi, tu avais dit que. Moi, je ne connaissais pas l'histoire. La réunion, tu as montré l'argent. Donc, je ne connaissais pas l'histoire des poules. Tu écailles les poissons, tu fais ceci. Le pasteur. Ma femme, tu peux vivre ça, le pasteur. Si tu ne peux pas, tu souffres. C'est tout. En ce moment. Tu souffres énormément. Donc, viens lui demander des excuses. Tu peux retourner dans l'église. Tu peux prendre ta place. Le pasteur me fait. Tu souffres en ce moment. Je te framponne parce que tu trahis nos secrets. Ma femme, tu m'as manqué l'argent, non? Demain, je tu m'appelles vidéo, tu es en train de faire le poisson, non? Non, milliardaire. Oui, le pasteur. Milliardaire, écoutez-moi très bien. Ce que moi, j'ai compris sur la femme, c'est que quoi? Ça fait 3 ans, la femme, il vient en France. Sur la vie de la femme. Le jour. Écoutez-moi très bien, le jour où après me demande de chercher un business pour un married what, il m'a manqué des sous qui buy cash que la personne. Non, mais je ne vous mens pas. Moi, peut-être que tu mentais le pasteur. Moi, en fait, je ne. Milliardaire, regarde très bien que à un moment là, ça ne fait pas un mois, demi, 2 mois. Après, me disait qu'il vient en France, Il va voir Fleur de Lille, il va voir nous tous là. Tu comprends, non? Voilà. C'est où? Moi, c'est depuis 3 ans. Tu comprends? J'attends la femme. Pour moi, la femme était américain. Il a une situation, il peut venir comme il veut. Et donc, moi. Mais le pasteur, j'ai une question. Pourquoi ne pas chercher les papiers aux États-Unis directement? J'ai compris que lui-même, il était à la base pour avoir un dossier pour déposer, tu comprends? Voilà. Parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est la femme qui peut venir me demander de chercher une gars. Tu comprends, non? Voilà. Tant que tout le monde est envie d'aller aux États-Unis. Le pays de maître, c'est la femme qui veut. Il y a Benjina, le type-ci. Non, mais le pasteur, j'ai une question. Le pasteur, aux États-Unis, sans te mentir, les États-Unis, c'est le pays. Et tout. Il y a tellement de démarches. C'est-à-dire, comme les droits de l'homme sont tellement respectés, surtout pour les papiers, quand tu es à jour, c'est-à-dire, ce qui tue souvent les gens qui n'ont pas les papiers, c'est quoi? Je vais t'expliquer au pasteur. C'est les gens qui n'ont pas les moyens pour payer les avocats d'immigration. Parce que l'avocat d'immigration, il y a des avocats qui coûtent pratiquement 175 $ l'heure, d'autres 200, d'autres vont même jusqu'à 300 $ l'heure. Je pense que si la femme a l'argent, il va vers. Je peux me dire le contact d'une dame, elle parle même bien français, elle est à New York. Il va là-bas, il paye les heures et elle va le conseiller comment faire pour avoir les papiers. Parce que je ne pense pas que. Pourquoi venir en France pour avoir les papiers, le pasteur? Les gars, pardon, ne vous éloignez pas du sujet.
je vais répondre à Loïc. Loïc fait des très bons commentaires. Loïc dit que parce qu'un gars dit qu'on l'a violé ou on l'a affiché, il faut lui accorder le bénéfice de doute. Mais Loïc, sur la base de quoi? Tu connais les words que l'ingat dit sur les gens ici? Mais Loïc, tu es en train de m'étonner dans les commentaires. Parce qu'un gars dit qu'on a affiché sa nudité. D'accord? Ok. On accepte. On lui dit maintenant, prouvez-le. Quand tu dis qu'il faut accorder le bénéfice de doute, ton gars, Loïc, c'est parce que tu n'as pas encore eu de problème avec les femmes. Hein? Ah ben non. Pardon. C'est que l'ingago dit devant, c'est le juge qui sauve les gens ici dehors. Tu connais l'ingat. On te dit que le bon ici, l'ingat, il a donné. Mais c'est fréquent, bon. La femme est partie dire qu'il un gars, il fait près de 15 000 dollars par mois. L'ingat est parti capoter sa vie. Elle est partie dire au tribunal que. Elle est partie dire. Le gars s'est battu à prouver que mon frère manga. Dis quand même, c'est tous les jours les problèmes comme ça. Tu dis qu'il faut accorder le bénéfice des doutes. Non, il faut la preuve. La preuve de Kiko. La preuve de Kiko. Les gars, arrêtez un peu. Kiko dit que Dangelo lui aurait montré une vidéo de lui et Langa. Voilà. Tu comprends? Mais cette vidéo de lui et Langa, ce n'est pas la vidéo dont on parle du sang calissant. Tu comprends? Et Kiko et Dangelo Blake sont des amis. On va condamner Dangelo Blake d'avoir peut-être envoyé ce qu'il a envoyé à Kiko. Mais est-ce que les amis ne s'envoient pas des trucs? Est-ce que ça ne relève pas du privé? Si ça le condamne, tant mieux. Nous, on va dire, on va condamner à notre manière dans le Japon. Mais nous, on n'a pas le sang calissant de Langa. On vous accorde ça, on ne veut même pas voir le sang calisson de Langa. Mais sur la base de quoi, on va alors accuser Dangelo Blake. Langa a reconnu qu'elle lui a envoyé les fesses, les seins. Lui aussi, il a reconnu qu'il a aussi envoyé son 53 cm à Langa. Mais vous, on fait comment dans l'histoire? Nous, dans le Congo, ça, on fait comment? Les deux se sont envoyés. Il y a l'erreur de Langa, qu'elle a envoyé un truc à un inconnu. Il y a l'erreur de Dangelo Blake qui est de... L'erreur de Dangelo Blake dans l'histoire, c'est quoi? C'est que la manière qu'il a barré Langa par Jenny, en mettant en avant Jenny Junior, peut-être, et je n'ai pas la preuve, qu'il a dû raconter à Jenny Junior que Langa m'a envoyé les ou quoi que ce soit. Elle s'est barrée, ça peut-être pour le Fala. Mais ce n'est pas une preuve de publication de sa nudité. On est d'accord? Est-ce que c'est une preuve de publication de la nudité de Langa? Mais vous pensez que les juges ont fait le cinéma là-bas? On va demander à Langa, prouvez-le. Moi, j'étais dans une affaire. J'ai même été vu dans une vidéo avec quelqu'un qui faisait des conneries. Qu'est-ce qui m'a innocenté? Parce que quand on est arrivé devant le juge, on a montré les vidéos. Ducamé était là-bas, mais Ducamé n'a rien à voir dans ça. Mais je pouvais même aller en prison pour rien parce qu'il marchait avec un gars, il faisait des conneries. Donc, accorder le bénéfice de doute à une femme qui vient se plaindre, Ducamé, jamais. La femme doit prouver ça. C'est ça la justice, frère. Personne ne va supporter Dangelo Blake s'il a prouvé la nudité de Langa. Personne. Même pour 1 milliard d'étoiles, il ne peut pas le supporter. Je le dis les yeux dans les yeux. Parce que même pour 1 milliard d'étoiles, je ne peux jamais supporter ça. Parce que peut-être vous venez de nous connaître sur la toile. Vous comprenez? Vous pensez que même Sylvie Tenier que vous voyez là, vous pensez que Dangelo Blake est capable d'envoyer la nudité de cette fille à Sylvie Tenier? Vous croyez ça? Qu'il va avoir le courage d'envoyer ça à une maman comme ça? Ou même à un gars? Vous savez, et pour vous prouver, parce que je suis très énervé, je vais vous prouver ma bonne foi. Il y a plein de gens qui bavardent là, ils m'ont toujours demandé. Quand il y a les nudités sur la toile, ils pensent que j'ai ça. Ils m'envoient du camion, envoie-moi ça. Je vais copier les screenshots de tous les gens sur la toile qui viennent me demander. Il faut avoir les preuves qu'on a pu voir quelqu'un avant de l'accuser. Maintenant, vous détestez la personne. That's your shit, man. Vous n'aimez pas voir la personne, c'est une chose. Mais maintenant, il a publié. On peut dire qu'il a publié, mais pour le condamner, il faut les preuves. Vous, les saintes de la toile. Parce que vous mélangez la haine que vous avez avec le gars. Est-ce que. Et j'ai vu la femme en train de le pasteur. Il a dit que Langa. Il y a un bruit quelque part là. Je ne sais pas si la personne peut couper le micro. Voilà. Donc, la femme dit que Dangelo aurait. Quand on a blâmé ça, ils ont dit que la femme nous a dit que. On n'est pas aussi. Même s'il a connu Langa 2 jours. Hein? Si vous êtes des femmes, vous la bande des 4 filles, là, vous êtes des femmes. Vous voilà donc pourquoi ils ont descendu Maserati. C'est Maserati, c'est Maserati. Déjà. Condamné déjà à une vieille chouette comme ça de son âge. Voilà. Quand je lui ai dit cette vérité, la femme est venue m'écrire pour me dire que Ducamé, tes parents m'ont fait mal. Je dis, bien sûr, madame, vous êtes une femme. Hein? Vous êtes une femme, en plus, une femme qui travaille, vous ne connaissez pas le mec. Vous l'avez. Attends, j'ai une question pertinente. J'ai une grosse question. Dangelo était dans le noir, non? Parce que comment la voix, elle dit que la voix. Comment elle a la voix les attrapés. Ah, la voix, n'est-ce pas? Quelqu'un est dans le
Moi-même, je ne l'avais jamais vu dangereux. Les personnes ne l'avaient jamais vu. Mais toi, tu fais comment? Voilà dans les raisons pour lesquelles ils ont dit que nous sommes méchants. Parce qu'on raisonnait comme toi là. On est. Justement, dans le live, la femme, on raisonnait comme toi là. Vous ne pouvez pas. Une fille, on doit condamner aussi la fille parce qu'elle ne connaît pas dangereux. Elle n'a jamais vu dangereux. Elle envoie ses nudités. Pourquoi? C'est nu de quoi? Exactement. Et dangereux lui-même, il sait très bien que la moindre petite preuve qu'il veut voir qu'il a fait, il a fiché là. Parce que j'ai combattu ça sur la toile il y a peut-être un an. Et c'était un ami de comment elle avait le coup. Un de mes amis qu'on a mangé ensemble, il a publié un gars. Je suis venu là, publié, j'ai dit que c'est lui. J'ai demandé au cardinal de le contrôler. C'est la personne qui a dit qu'elle ne porte pas plainte dans l'histoire. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Il te parle de mon frère Sawa, mon frère même Sawa, qu'on est arrivé au Cameroun, on marchait ensemble. On était dans une groupe qui a publié là-dessus d'une femme. Mais qu'est-ce que pardonne? Quand directement, la fille est blâmée d'Angelo Black, sans voir, sans connaître, sans voir, sans voir les preuves. Pour la mauvaise foi de la pourquoi tu dis qu'est-ce qu'on a fait puisque c'est qu'on a fait sa nudité d'accord et elle me dit qu'est-ce que tu ne sais pas quoi ça veut de l'aide ou cette désolidarisation ou cette désolidarisation de quoi là écoute Julie. Repas pour le décembre. Julie, je ne sais pas qui c'est. Oui, bonsoir. Julie, ministère. Qui est ce profil-là? Bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô. Je comprends pas la haine de la réalité. Mais quand même, nous ne sommes pas bêtes sur les réseaux sociaux. Hein. Alors. Je vais te dire quelque chose. Sylvie Tenier, elle-même me dit que j'ai tes photos, tu blagues, je vais les publier. Elle-même, elle l'a dit, du Camer. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire que Sylvie Tenier a ses photos. Non, c'est elle-même qui a dit que j'ai tes photos, je vais les publier. Elle a pris ses photos là-haut. Point d'interrogation. Déjà un. OK. Je ne peux pas. Ça se coupe beaucoup, ouais. Ta connexion dérange. Je vais te dire. Elle a dit. Hein. Je t'écoute maintenant. Je suis chez un pote. Là, son wifi dérange. Il y a vraiment... Tu m'entends ou pas? Voilà, Sylvie Tenier et même l'autre auront menacé la fille. Sur la base de quoi elles auront menacé la fille? Les photos dont elle parle, les publications dont elle parle, est-ce que c'est. Du Camer, c'est spécifié. Jenny J a dit en train de faire comme le chien, comme ça, comme ça. Et c'est spécifié. Du Camer, il faut écouter les dire. Bien, c'est Jenny. Bien, c'est. Oui. OK. OK. Dans ce cas, si D'Angelo Blake a envoyé, par exemple, tout ce qu'il avait comme nudité de la fille à l'autre, et à l'autre pour menacer la fille, si. Du Camer, ça se coupe en tout cas. Terriblement. S'il a fait, tu comprends. Et maintenant, je dis que si c'est avéré que D'Angelo Blake a envoyé la nudité de cette fille à Madame Sylvie Tenier et à Jenny, en dernier, il avait la plus. Mais moi, je ne peux pas me faire Sylvie Tenier pour condamner. Tu comprends. Mais s'il avait fait, parce que j'ai parlé avec lui, tu comprends. Et il m'a dit que non, il m'a dit qu'il ne l'a pas fait. D'accord? Et maintenant, comme le problème est donc en justice, je suis en attente que tout soit, que le droit soit dit. Okay. S'il a envoyé, moi je comprends terriblement, c'est pas que tu me calmes. C'est pas normal. Et moi, je veux même déjà vouloir menacer la fille avec ça, ce n'est pas une bonne chose, ta mère. On est tous dans le coup. Vouloir menacer la fille avec ça, ça entre, il faut toujours savoir déjà où je ne justifie pas, très honnêtement, je ne justifie pas
Mais vous le savez, moi-même qui parle à la fille, tu ne connais pas ma conversation avec cette fille. Moi, je suis venu mal parler à cette dame. Tu ne sais pas pourquoi. Elle m'a appelé, il était 23h, qu'elle voulait se suicider. J'ai passé une très mauvaise nuit, alors qu'elle s'est foutue de ma gueule. Tu comprends? J'ai compris le personnage. Et maintenant, je suis en train d'imaginer un scénario, Julie. Comment est-ce que... Parce que même l'histoire de Sankal, il y a les gens qui peuvent avoir... Il y a... Je t'en ai un, je te coupe en ça saute beaucoup. Je dis que je t'en veux pas ça. J'ai envie d'imaginer comment un couple peut envoyer un truc comme ça. J'ai envie d'imaginer ça. Tu as envie d'imaginer quoi? J'ai pas compris. Allô, je sais pas si tu m'entends pas. Il dit que j'ai envie d'imaginer. Comment dangereux pouvait avoir une femme lui avoir la vue. Je veux bien m'imaginer. Mais du coup, mais c'est elle, c'est pas que c'est pas que quelqu'un est venu, c'est elle qui est venue dire que j'ai un photo. Elle. Voilà. Elle a dit que parce qu'on dit. Oui, voilà. Tu n'entends pas qu'on commence à publier les photos pour prouver que les photos de la fille là nue. Je pense que le problème, c'est que dis-moi. Je n'attends pas, je crois, ok, mais puisque moi je suis en droit de dire que bon, voilà, s'il a fait, il a réellement fait, je comprends. Parce que je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas vu. On ne se base pas sur des dires pour condamner les gens. Du coup, mais voilà. Rien que la phrase que cette fille, il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'elle elle est venue à visage découvert. C'est même pas comme si elle était SP. Elle était là à visage découvert. Elle a dit, j'ai tes photos comme ça. Elle a dit, tu blagues, je publie à visage découvert. Rien que ça, c'est la condamne du Camer. De toute manière, tu es d'accord pour la justice, non? Moi, je t'écoute. Tu peux pas utiliser la connexion de ton téléphone. Tu m'entends pas? Le wifi là dérange beaucoup, on ne t'écoute pas. On t'écoute à peine. Le problème est en justice, on est d'accord? Le problème est en justice. La femme a déposé plainte, non? Si tu as fait cette chose, mais je n'ai pas la preuve. Mais moi, je ne comprends pas. Là où j'ai. Je dis que moi, je pense que dans ce cas, alors, oui. On ne doit pas condamner la fille. On laisse la justice faire son travail. Et même encore, revenons. Et même la c'est tout à fait le droit de se. Ce qui est sûr, c'est que les preuves, elle ne peut pas venir déposer sur les réseaux parce que c'est que je sais pas. Elle pourra penser qu'elle va donner la justice. Mais tant mieux, on lui souhaite, c'est pas supposé. Parce que c'est un mensonge, que ça l'a sali parce que santé le salit. Donc, même quand tu portes plainte, il faut être sûr que tu as plainte, tu as raison. Revenons un peu sur le. Il y a un direct que l'autre ici a fait, une conversation de plus d'une heure entre ce qui c'est Koki, le gars de Koki là, je ne sais pas son nom, le gars qui a causé avec Dangelo et tout. Donc, quand tu sur lui-même, il affirme, lui-même l'affirme que ça sort d'où. Il affirme, donc Dangelo a affirmé qu'il a envoyé les photos. Donc, comment il a fait voir les photos à cette fille? Il a filmé, toi tu crois à ça? Les conversations que tu as avec tes amis en privé, je suis sûr que tu vas faire la prison, tu vois. Il y a ce qu'on appelle des conversations privées. Et même, qui est dans cette histoire, quand tu estimes qu'on parle, mais les contenus, on répond là-bas. Ils seront devant les tribunaux. Pourquoi est-ce que vous voulez que
Moi, je te coûte à peine. La paix est portée en justice. La connexion dérange. Ça gêne la joie. Il dit que l'affaire est devant les tribunaux. Ceux à qui on a porté plainte vont répondre. Ma connexion dérange, je ne sais pas. Pas du tout. Mais le problème, c'est que. Vous voulez. Est-ce que nous sommes la justice? Mais le problème, c'est que. Parce que tu. Je comprends que tu tiens d'Angelo à 100% et tout. Mais. C'est qu'on comprend. Pour les. Disons une présumée victime à côté. Hein, dans... Un la main. Elle dit qu'il faut aussi savoir qu'il y a une présumée de victime à côté. De... Victime de tout ce que tu as compris. Donc toi, tu vois. C'est ça que je suis en train de comprendre. Du Kamel, lui aussi, il a envoyé à une femme qui ne connaissait pas. Arrêtons un peu ça, s'il te plaît. Il a aussi envoyé ses nudes à une femme qui ne connaissait pas. Et entre les deux, je sais pas, je sais que on dit que D'Angelo est marié, mais je sais pas si la fille en question est mariée. Toi, déjà, en tant qu'on marié, c'est quel genre de vie ça que tu as encore? Hein? Pardon? Adama, chez mon ami, s'il n'y a pas. Je ne t'ai pas écouté, en fait. Tu m'entends ou pas? Mm-hmm. Je pense qu'il va arriver chez moi tout à l'heure, ou bien, je ne sais pas, plus tard pour faire le live, parce que là, ça déconne. J'ai dit que les vidéos d'un tot n'ont pas été demandées par D'Angelo, mais ça a atterri dans son téléphone pour le séduire. Et sa femme est au courant de ça. S'il a envoyé aussi Madame à la femme, tu vois. Est au courant. Si ça a été mis aussi, il a envoyé à la femme. Ah, attends, moi je crois que. Ça, tu... Donc toi, tu crois que ta mère. Moi je crois. Femme, moi je crois qu'il a aussi envoyé. Tu crois. Ouais, ce qui est sûr, c'est que. c'est un échange entre deux personnes. On m'a publié D'Angelo. Moi je n'ai pas vu de. La femme l'a publié D'Angelo ou pas? Je n'ai pas vu de photos circuler, en tout cas, ce que je suis en train de dire. Moi, je dis, bon, je pense que sinon, je vais dire. Mais tu as vu les photos, mais tu crois l'autre partie. Elle l'a publié. Mais D'Angelo, je t'amène sur ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire. Elle m'a envoyé la photo de D'Angelo. Moi, je dis que si elle m'a envoyé la photo de D'Angelo Blake, elle m'a envoyé sa photo. Ah, elle n'aurait pas dû. Ouais, si elle t'a envoyé sa photo, là vous allez vous retrouver au tribunal. Parce que moi, comme je dis, moi je n'ai vu aucune photo circuler. Voilà. Donc. J'ai pas. Elle n'a pas le droit. Pourquoi tu publies quelqu'un et tu te plains qu'on t'a publié? On t'a publié où? Elle a publié chez moi. Elle a publié sur la paille de Japabou, c'est quoi, la pimentée. Il a pris les captures. Et maintenant, il faut qu'elle ait raison dans ce qu'elle est en train de dire, parce qu'elle est en train de le saluer. Elle a bien fait un direct un jour. Oui, il faut que quand elle porte plainte, qu'elle gagne. Si elle ne gagne pas, c'est une diffamation. Maman, elle a été dans le direct de Maman Immeuble. Elle est parlée, elle est l'accusée là-bas. Okay. Voilà. Maman Immeuble, Mel. Elle est partie là-bas parler. Donc, chacun doit faire attention pour être sur le coup de la loi. S'il tombe, parce que la justice est qualifiée pour faire l'enquête, s'il tombe, moi, je vais le condamner. Parce que la justice aurait les preuves qu'il a publiées, cette dame. Je vais dire non, frère, je ne te soutiens pas. Oui, c'est la justice qui dira tout. Et cette femme, on la soutiendra. Mais si maintenant, ce n'est pas le cas, c'est elle qui paye. Pourquoi c'est elle qui doit payer? Donc, c'est une plainte qui est comme ça. Mais parce qu'elle a diffamé le gars. Elle m'a dit qu'elle est partie accuser que le gars l'a publié. On va lui demander si elle ne prouve pas l'application. Mais Kiko, comme toi, Kiko dit qu'il a vu les photos, non, toi aussi. La diffamation, si tu ne prouves pas. Mais il a. On écoute un voyage où il dit qu'il accepte qu'il a montré quelque chose. Pourquoi tu veux toujours être là?
si c'est accepté, puisque tout ça sera transmis non, devant les tribunaux, non? Moi, je pas toi, tu as été devant un procureur. Pardon. Ma vie est trop tranquille comme ça. On t'a mis devant un procureur. Tu penses que c'est le Congo, ça, là-bas? Voilà, donc maintenant, le juge va voir tout ça. C'est le juge qui va décider. Devant le juge, tu te plies à la décision de justice. Okay. Si elle ne gagne pas, il y a une plainte contre elle pour diffamation. Si elle gagne, il paye. Soit il va en prison, il paye l'amende, il paye ce qu'il a payé. Mais c'est comme ça. Okay. Elle aussi, elle répondra à la diffamation. C'est 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Du camé, quand on parlait de diffamation, tu as écouté le voice de 1 heure. Voilà. Mais la diffamation, c'est... Quand il dit que la fille, elle est informante, tout ça, là, et tout. On a écouté les voix. Tu dis comment? Je suis en train de te dire que... Quand il dit que la diffamation, c'est deux côtés. Quand il dit que la fille, elle est informante, c'est la fille. Est-ce qu'il peut prouver ça? Souvent, il faut un peu faire les petits trucs, on te porte plainte. Mais quand la fréquence qu'on lui a envoyé les 100 caleçons, tu veux qu'il dise quoi? Parce que quand on dit qu'on a envoyé les trucs, il a aussi envoyé. Tu sais, je vais te donner un conseil, Julie. Julie, le jour là-haut, tu pars au tribunal défendre. Ce n'est pas sur Facebook. Pas au tribunal. Sors de ton noir. Vous aimez trop rester derrière vous parler. Elle a déposé plainte. Elle a raison de déposer plainte. Mais si la plainte n'aboutit pas, mais elle répond de la diffamation. Elle aussi, elle peut prouver que ce n'est pas diffamatoire. Elle était chez Patricia Mel. Le gars va monter les vidéos. Qu'il s'est fait salir partout. Il va montrer vos vidéos, vous l'insultez. Mais il a droit. Okay. Jusqu'à présent. En tout cas, je comprends. Est-ce que c'est le Congo ça là-bas? Quand tu peux accuser quelqu'un, hein, tous ces gens qui disent qu'ils portent plainte aux gens, quand tu portes plainte à quelqu'un, il faut être sûr que tu gagnes, que tu as raison. Parce que si tu ne gagnes pas, la personne te dépose une plainte pour diffamation. On dit qu'elle est jurée. La personne gagne parce qu'elle est en train de se faire. Tu n'as pas gagné. Mais jury, si tu as fait l'université, tu as appris le droit. Mais arrêtez de croire que jury c'est avocat. Jury, si tu as fait 2 ans à l'université ou 1 an, tu as appris le droit. Tu es jury, c'est une personne qui a appris le droit. Si tu as quand tu es dans le jury, tu vas bien. Tu ne connais pas quelqu'un, tu n'as pas tes fesses. Toi-même, tu peux faire ça, Julie Mystère. Tu peux faire ça. Les gens du Congo, ça, les gens de l'église, tu peux avoir les gens. Il y a des gens qui s'entendent, c'est qu'il y a la confiance qui naît, non? Toi aussi. Tu pars, tu envoies tout. Mais la confiance, c'est que les deux se sont posés déjà en vidéo. Comment il fait pour dire qu'il faut profiler avec elle? Il faut profiler avec elle. Tu es donc en train de certifier qu'il y a eu certaine confiance. S'il y a eu certaine confiance ou un certain amour, et qu'il y a des palabres et tout, pourquoi n'est-ce pas d'être tolérant? Tu as même écouté l'audio ou comment il insulte la fille là? Tu as écouté juste une fille là. Et ça va. Arrête d'exprimer, s'il te plaît, jusqu'à appeler l'enfant d'autre. Mais il insulte la fille. L'animal. Tu appelles l'enfant d'autre, un animal. Tu es sérieux? Il t'a dit que là. Ouais. Let's go. Pourquoi tu n'as pas été tolérant? Arrêtez un peu. Je voulais jeter la faute sur les femmes, quoi. Tu as coupé ton micro, du tamer. Je dis que j'ai écouté un voice où il insultait franchement la fille jusqu'à dire que la fille, jusqu'à l'appeler animal. Non, je suis pas d'accord. Quand tu parles de la tolérance, c'est pas d'être des deux côtés. Non, mais les mots, je ne parle pas de la ma puce. Ma chérie. Ma chérie, quand tu voyais à l'église, tu vois pas comment ils insultaient les gens là-bas. Quand tu ne vois pas, est-ce que tu as parlé de la tolérance, tu ne vois pas les insultes qu'il y avait là-bas. Mais tu as parlé de la tolérance. Non, tu n'as pas été tolérant avec elle. Donc, arrêtons. Est-ce que des corps ne vont pas insulter? Mais on a parlé. Mais mon bébé, qu'elle a déposé plainte. Elle rajoute insulte toutes les plaintes qu'elle veut. Elle a droit. Tu comprends?
Mais elle a droit, c'est on l'a insulté. Parce que nous, les insultes ne nous font plus rien. Elle m'a même lavé. Hein. Si moi, je voulais faire du sale, je peux publier les conversations, ces voix qu'elle m'a envoyées. C'est juste que je respecte sa parole. Mais elle n'a pas respecté sa parole. Parce qu'elle allait, elle m'a enregistré pour aller donner au chômeur des États-Unis. Là. Tu vois, non? Donc, on ne soutient pas la publication de la nudité de personne. Moi, je ne soutiens pas ça. Si tu as dit même que je ne regarde même pas les pornos, tu ne vas pas croire. J'aime pas ça. Tu comprends? Voilà. Maintenant, le gars, il a donné sa parole qu'il n'a rien fait. On attend que la justice prouve qu'il a fait. Moi, je lui ai demandé, j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui. Si vous voulez, même, j'ai parlé même avec sa femme. Elle est au courant de ce problème. Tu comprends? Voilà. Donc, sa femme est au courant de tout ça. Et vous lui demandez de venir. Si un problème est au tribunal, il faut qu'il s'apprête aussi à aller au tribunal. Parce que c'est un léger. Quand on peut... Hein? Et j'espère que les Tatiana Mimbang vont aller au tribunal soutenir l'Angala parce que ne vous prenez même les pancartes, vous partez là-bas soutenir. Mais si tu te plaintes à l'Angala que la photo, moi il m'avait témoigné, c'est vrai. Je m'avais dit la vérité. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle m'a envoyé la photo des dangereux. Elle n'avait pas. Elle, quelqu'un, c'est. Tu n'as pas le droit. Tu es là en faux profit. C'est que tu ne peux pas laisser. Ouais, okay, donc, je vais te laisser. Il faut laisser le sujet là comme ça. On va laisser. Ouais, le tribunal juge, on attend. Il y a des choses que qui n'est pas notre entendement ici dehors. Ah bon? Donc, mes ducs et mes duchesses, parce que c'est comme ça qu'ils appellent mes fans. Et mes bordels. Et mes bordels.